Merci d'accueillir très chaleureusement le producteur de The Vandal, Javier Lovato, l'actrice Baja Lynn Odoms, la réalisatrice de The Night Me Dance, Andrea Christina Borton, sous vos applaudissements, et le réalisateur de The Parents' Moon, Diego Marcan. Merci à vous. Nous sommes extrêmement heureux de vous avoir réunis aujourd'hui à la quinzaine des réalisateurs et de proposer des univers si différents. Mais peut-être pour commencer, avant de laisser la parole au public, bien sûr, une question peut-être pour ce qui vous singularise, c'est évidemment vos partis pris esthétiques. Andrea, tu as fait un film très sculptural, quelque part, avec différents formats. Qui procède aussi par fragments. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le processus d'écriture de ton film? What is striking in all your films is the aesthetic choices. Andrea, to begin with, your film is very sculptural visually, with several formats. Can you tell us how you worked? The film that you see now is very similar to the script that I had wrote. So I would say that, let's say, the narrative form was from the very from the last draft of the script, but the very beginning of when I thought of the essence of this film to be fragmented, to be able to convey in a sense through the narrative and through working with formats and language a feeling of anxiety and of loss and being anchorless. So I guess all of it was meant to support, before anything else, a feeling that I had. Eh bien, le film que vous voyez à l'écran est assez similaire au scénario que j'avais écrit. Sur la forme narrative, j'avais voulu quelque chose d'assez fragmenté, en effet, et pour retranscrire un sentiment d'anxiété, de perte, qui était un peu mon ressenti à moi. Diego, on assiste là à des nouvelles espèces, quelque part, à travers tes personnages, entre l'humain et la marionnette. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la création de tes personnages? So you created a new space between the human and the puppet. Can you tell us about how you worked? Yeah, sure. So basically, when I started to work on the Parents' Room, I wanted to do stop-motion animation. But trying to avoid as much as possible this flickering, faltering movement typical of such a technique. So I talked that if I was going to work in a set in a human scale and dress performers as a puppet, this problem would have been resolved. And so we started to think about let the performers wearing a mask, a full covering mask, another thing was that I'm not really into confront myself with acting or actors, and so using such a full covering mask also avoid any possibility of facial expression, instead a precise control of the few expression we wanted the characters to have for the film. Alors, j'avais envie de faire un film en animation, en stop motion, mais j'avais envie en même temps d'éviter ce côté un peu intermittent, quelquefois, que ça crée dans le mouvement, dans cette technique d'animation. Donc, je me suis dit que ça résoudrait le problème si j'avais un plateau à taille humaine et que je déguisais des humains en marionnettes. Et le fait d'avoir le masque permet de moi qui n'ai pas l'habitude d'être confrontée à des acteurs et à les diriger, ça me permettait d'éviter d'avoir à faire ce contrôle sur les expressions faciales. Tu as également écrit les paroles de la musique du film. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le travail de composition musicale? You also wrote the lyrics to the songs. Can you tell us about your work on the composing?
Yeah, I wrote them. The music is composed by Federico Chiari, which is also here, actually. Line G, second seats on the left. Which we work since high school together. Yeah. Do you have a precise question about the lyrics? How did you compose yeah, the lyrics? Actually, I'm not much interested in storytelling. But much more into structure and language, cinematic language. So everything then after, I mean, all the layers of the work, both visually speaking and musically, audio speaking, then shape in a very like natural way as soon as the idea to work with the very hyper realistic masks start to shape in my head, and in fact the story I think is pretty didascalic. And eh bien, donc c'est Federico Chiari qui est dans la salle, qui a composé la musique. On travaille ensemble depuis le lycée. En fait, la narration en elle-même, le récit m'intéresse moins que la structure et que le langage cinématographique. Et donc, en fait, les strates à la fois visuelles et musicales, pour moi, se mettent ensemble de façon naturelle pour former le film. Et donc, avec ce côté des masques hyper réalistes, et les paroles, finalement, servent un peu de didascalie. Et par rapport à The Vandal, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment c'est articulé la création du film, qui est entre stop motion, prise de vue réelle, mais aussi peinture? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le processus de fabrication? Can you tell us about the process of the making of this film between stop motion, live action and painting? Yeah, definitely. Originally we had wanted to go live action, but we found it was pretty hard to shoot in a museum with no money, and so we started to explore stop motion, and then it became like a story point, because kind of hints at a way that he sees the world, you know, post lobotomy, or kind of like gives that uncanny feel. This was our first stop motion film, so it was a pretty big learning curve. And we worked in three different scales. So we did the stop motion at eighth scale, and then we did the miniatures at 1/87th scale for all of the exteriors, and the live action with an LED screen behind the actors, using the Unreal Engine to project the miniature sets behind the actors. Alors, on voulait faire un film en prise de vue réelle entièrement, mais on s'est rendu compte que c'était très difficile de tourner dans un musée sans aucun budget. Donc on est parti sur le stop motion, et ça rendait un petit peu la façon de voir le monde du personnage après sa lobotomie. Comme c'était notre premier film en stop motion, ça a été vraiment tout un apprentissage. Alors en termes d'échelle, on a travaillé à deux échelles différentes. En 1/8, 1/8 is for the... 1/8 was the stop motion, yes. Pour le stop motion, on travaillait en échelle 1/8, et puis pour les maquettes, on a travaillé en 1/86. Et en fait, on s'est servi d'un système, on a projeté en fait le plateau derrière les comédiens pour qu'ils jouent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, au deuxième rang, il y a un micro qui va arriver. Mike is coming to you. We hear a lot of music that comments on the film and tells us how to feel, but the music in your film seemed to come out of it and be a part of it. And I'm wondering how the music and the sound design and you all work together to create that. Yeah. Alors, la musique joue un rôle très important, et donc comment vous avez travaillé sur le son? First of all, we have here as well the composer of the film, Cosmin Postolache, and the sound designer, Ioan Iacoban, to which I thank both. And it was a journey, because I myself honestly do not
prefer music and film very much, at least the one that's, you know, non-diegetical, that's not part of the story itself that you hear in the shot. But with this one, it felt that because the nature plays a very important role in the night scene, and the birds themselves, they're supposed to sing, and they're supposed to sing songs of fury and wisdom, in a sense. So I guess the whole mix of it, we were trying to find a way through which we can use the actual singing of birds connected to this other way of expressing what this young boy is feeling inside, which is not, let's say, the classical way when you hear the usual music. Our reference was Chelsea, and we started from that, I guess. Donc je signale la présence du compositeur et du sound designer avec nous dans la salle. Ça a été un peu une aventure hein, de travailler de cette façon-là la musique, surtout que la nature joue un rôle extrêmement important. Et les oiseaux également, dans les scènes de nuit, qui chantent un petit peu la sagesse. Et c'était une façon de trouver on voulait trouver une autre façon d'exprimer le ressenti de ce jeune homme à travers ce travail du son et de la musique. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, le micro arrive. I have a question about the Vandal. I wanted to ask a bit more about the production process of the music, which I found pretty astounding. Alors, question pour The Vandal, question sur la production de la musique qui est assez extraordinaire dans le film. Thank you. I don't see where you are, but yes. Okay. Yeah, so the composer, Chris Bowers, him and Eddie had an incredible workflow together, and they pulled a lot of inspiration from Vertigo. One thing that they did that was pretty interesting was they exported to cassette, so it gives it that old vintage sound, which I think plays well as tying it all together. Yeah, but it was a long process, but I think they did a wonderful job. And I also want to give a shout out to Danny Healy, our cinematographer, who's in the audience. And Francine Le Coulter, our costume designer, she's also here. Wonderful job. Alors oui, notre compositeur s'est inspiré de la musique du film Sueur froide. Et ce qui est intéressant au niveau du purement sonore, c'est qu'il a exporté la musique sur une cassette, ce qui permet de donner un peu ce son un petit peu à l'ancienne. Et je trouve que ça marche particulièrement bien. Ça a été un long processus, mais ça a été vraiment extrêmement fructueux. Et je voudrais aussi saluer la présence dans la salle du chef opérateur et de la costumière. Une autre question? Oui, au fond, non. Soyez pas timides, profitez de leur présence. Any questions? Et au-delà des références sonores pour The Vandal, est-ce que vous pouvez aussi nous parler un peu des références cinématographiques qu'il y a derrière? Can you tell us also about the cinematic references in the film? And then cinema references of all other films. Yeah, I think Danny would probably be best to answer that question. Danny, if you'd like, for the cinematic references. Oh, maybe we should wait for a microphone. Hello? Hello. Do I know references? Yeah, we just create, you know, with Eddie and I, we've done a couple of jobs together already, so we developed our own style, mainly shooting 16 reversal black and white, and our first project was Fuck You, and now came out the second one. So we kept the same style like Fuck You, so we developed our own look. Interesting was what Javier said.
We wanted to shoot in museums. We checked a couple all over Europe. Became too expensive. So we thought it would be cheaper to make everything in miniature. What took us a year or so to shoot actually became more expensive, I guess. It was very nice to create the whole light in these miniatures, and I lit the scene as you would normally lit a real environment. Interesting was also to recreate the same atmosphere with the actors. As Javier said, we used LED screens to project the environment that we photographed in the miniatures. And voila, it all came beautifully together. Voilà. Thank you, Eddie. Thank you, Javier. Alors en fait, il n'y a pas vraiment de référence particulière. On a développé notre style à nous. On avait déjà fait un projet ensemble qui s'appelait Fuck You. Et donc on a continué dans cette veine-là, dans le même style visuel. Comme l'a dit Javier tout à l'heure, on voulait tourner dans un vrai musée. On en a repéré quelques-uns en Europe, mais ça s'est avéré beaucoup trop cher. C'est pour ça qu'on a choisi de reproduire en miniature. Mais comme il nous a fallu plus d'un an pour ce tournage, au final, peut-être que ça a coûté encore plus cher. Et j'ai recréé la lumière dans les miniatures comme si c'était un vrai plateau de tournage. Et ensuite, on a recréé cette ambiance pour avoir la même luminosité, la même lumière, le même éclairage quand on était ensuite en train de tourner avec les comédiens. Comme il expliquait, en fait, on a projeté sur des écrans LED ce qu'on photographié en miniature. Une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter particulièrement par rapport à l'un de vos films? Would any of you like to add something about your film, maybe? Possible. I would like to thank the rest of the crew that's here and to mention them. So Gabriela Succio, the producer of the film. Daniel Smantina, the protagonist, the actor. Tudor Popescu, the editor. Laurențiu Raducanu, who just left, the cinematographer, and Ioan Iacoban, sound designer. Cosmin Postolache, composer. And there are a bunch of us home, but I thank you very, very much. Alors, moi, je voudrais simplement remercier le reste de mon équipe, la productrice, mon acteur, monteur, chef opérateur, sound designer et compositeur. I will do the same. Okay, sure. So, Federico Chiari, the composer, will be your name in Madrid. Federico Chiari, le compositeur. Pierluigi Laffi, the cinematographer. Chef opérateur. Jackie Davis, producer. Producteur, productrice. Camilla Romeo, producers. Votre productrice. Lorenzo Cianchi, who did all the prosthetic stuff. Excusez-moi, les prothèses. Valentina Bigaran, scenography. Un scénographe. There are many. Giulia Guidi, assistant to the scenography and miniaturist. Assistant scénographe. Miniaturiste. Then we have Chiara Sarangeli, the mother. La mère. And Beatrice, the daughter. Ah, et celle qui joue la fille. And among them also a few friends who work a lot also, Giulio from the production team also and Eva. Et d'autres amis donc de l'équipe de production avec qui l'on travaille. Yeah, and I'd like to thank my producing partner, Thomas Hildreth. He also played the cellmate in The Vandal. Eddie wishes he could be here. He's a little bit under the weather. But yeah, thank you for everyone for coming out, and Baja. Baja's over here. She did an amazing job.
Eva. She played Eva in the film. So, yeah, thank you. Et quant à moi, un grand merci à mon partenaire de production, Tom, qui joue aussi le co-détenu dans le film. Malheureusement, le réalisateur Eddie Essoufrant ne pouvait pas se joindre à nous. Donc merci à tous et aussi à notre actrice qui joue Eva dans le film. S'il n'y a pas d'autres dernières questions, on va devoir rendre la salle. Mais merci beaucoup encore à tous les trois.